fait, ça, c'est la plaque avec toutes les pièces qui vont être découpées dedans. Et le but du jeu, c'est d'économiser le maximum de ferraille. C'est d'avoir voilà, le maximum de pièces dans un minimum de place. Là, ça découpe de la grosse plaque quand même. On peut découper jusqu'à 20 cm d'acier. Incroyable. Et donc, vous disiez combien de barres là? 4100 barres. 4100 barres, ça c'est la pompe. Ouais. Et donc là, on a les plaques brutes. Avant des coups. Là, on est jet d'eau et autour, c'est au plasma. Il y a de l'usure, hein. Là, on a l'usure, ouais, l'usure sous la pression d'eau. Ça, c'est du titane. Ça, c'est du titane. C'est impressionnant. C'est des pièces, on peut même pas les meuler. Hein. Ah oui, titane. Et donc, en fait, c'est un mélange d'eau et d'abrasif, de sable. Ah, il y a un abrasif quand même. Là, vous voyez, il y a une gamelle en haut. Ah oui, d'accord. Qui est alimenté par un silo qui est derrière. Ah oui, donc on a un abrasif quand même, qui est ajouté à l'eau. Et de l'eau et du sable. Donc ça, c'est l'abrasif. L'abrasif qui est mis avec. C'est du corindon. Comment? C'est du corindon, non? Non, 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 c'est du granit. Ça vient d'Inde. Alors, il n'y a que deux endroits dans le monde où ça existe. En fait, cette matière-là, elle est naturelle, elle n'est pas rebroyée ni rien. Elle fait 0,80 microns. Et elle est prise telle quelle dans un lac en Inde. Elle est juste du brut. Avec. Il y a du brut. Ouais. C'est de l'érosion naturelle. Et là, en fait, le déchet, il est là. C'est un déchet qui est non polluant, puisque c'est que du sable. Donc les barboutins sont découpés au plasma. 20 mm. Et vous pouvez découper au maxi donc 200 mm. 200 mm. Ça c'est que du jet d'eau. Ça c'est fini qu'à l'eau. Ouais, le jet d'eau on a fini un petit peu ouais, plus précis, ouais, effectivement. Ah, ça fait pareil que le. Ah, on voit les stries. Ouais, ça fait comme du fraisage. Hein. On arrive à retrouver les stries. Impressionnant. Hein. Là, les pieds, ça passe à la ponceuse, elles sont poncées dans la foulée. C'est beau, hein. Magnifique. Hein. C'est précis et c'est hallucinant. Hein. Donc la plieuse, donc tous les assemblages autour du châssis et les godets, ben, tout est passé par là. Passé ouais. Par là, ouais. Là, on a 60% des pièces qui ont besoin de pliage. Thank you.
un quart d'heure de tourelle. Voilà. Il part comme ça, il finit comme ça. Les soudures, vous les réalisez avec quoi là? Semi-automatique. Ça c'est propre hein. Encore hier, je coup de fil, le gars me dit oui, non mais vous montez les pièces. Non, non on fabrique. Ouais. Mais ça m'étonne pas du tout, hein. On en a discuté, on en a discuté. Voilà. Et si vous voulez. Les gens ne croient pas. Bah, pas. Aujourd'hui, on est à 100% de main d'œuvre ici dans la Nièvre. Parce que comme j'ai pas la peinture, j'ai pas 100% chez moi, mais j'ai 94% de la main d'œuvre qui est faite ici à Cône. Et les 6% de main d'œuvre qui nous reste, c'est le tournage qui est fait à Fontenay-le-Comte et la peinture à Nevers. Moi, je connais pas cette marque. Suédois? Oui. C'est monstrueux. C'est un truc de fou. Ça, c'est un poste qui vaut presque 20 000 euros. Donc là, c'est zingué. Alors, Ça, c'est des bains. C'est des bains de zingage. D'accord. C'est passé dans les acides et après, c'est zingué. En fait, le métal, il vient faire corps avec l'autre métal derrière par acide. Le rendu est superbe. Hein. On n'en voit plus trop des logos comme ça maintenant. Et donc les vérins sont français? Oui. C'est la dernière fabrique de vérins en France. Alors peut-être pas la dernière parce qu'il y a des vérins spéciaux. Quoi, hein. Il y a d'autres marques qui font des vérins spéciaux. Mais en vérin, on va dire lambda, c'est les derniers parce qu'aujourd'hui, tout vient de chez nous. Alors en moteur, là vous êtes sur du Vanguard, en bicylindre. Là vous faites du Honda aussi? Oui. C'est les GX690. C'est du bicylindre, oui. Et puis du Briggs Stratton qui lui est stocké de l'autre côté. Même les chenilles, vous arrivez à pas les prendre en Chine, quoi. Oui, c'est le dernier fabricant. C'est le tout dernier fabricant en Europe. Alors là, lui, il peut même me faire des chenilles avec mon dessin, avec tout ce que je veux. Ah bah alors là, j'aurais parié que les chenilles étaient chinoises. Hein. Ouais. Ah oui, là, incroyable. Et c'est pour ça qu'on n'a pas ni les mêmes qualités d'épaisseur, ni les mêmes qualités de caoutchouc. Ouais. C'est un treillis armé, j'imagine. Non, c'est l'armée, celle-là. Moi, c'est des chenilles métal. Que je prends, enrobé de caoutchouc. Et sinon, on peut avoir la chenille 100% de caoutchouc. Donc, du réglisse, c'est aussi dur. Bah, c'est 6 du foie. Ça, pareil, ça, c'est un équipementier automobile qui nous fabrique ça. Toutes vos machines sont avec les refroidisseurs hydrauliques. Ouais. Et ça, ça vient de? Ça vient d'Italie. Mais alors, il y a quoi de chinois sur vos machines? Alors, il va y avoir le compteur d'heure, il va y avoir sûrement les câbles, starter et compagnie, parce que ça, de toute façon, je me doute bien que ça ne va pas être fabriqué en Europe. Les pompes, je les prends en Italie, elles sont fabriquées en Italie. J'ai pas beaucoup de choses. Hein. Ah, mais c'est surprenant. Il hein. Faut le voir pour le croire, mais c'est surprenant. Pas, hein, mais parce que là, les moteurs de tourelle, roulement de tourelle, c'est sur du SKF? Oui. Ouais, en gros, vous êtes fourni en Europe, là. Allemagne, là, Italie. C'est une filiale en fait à SKF. On les achète à une filiale à SKF. Parce que SKF fabriquait à Avallon. Avant, je les récupérais à Avallon. Donc à côté d'ici. C'est et depuis fou. 7-8 ans, ils ont fermé l'usine d'Avallon, ils ont fermé l'usine de Nevers, ils ont fermé l'usine de Châteauroux. Et ils ont tout envoyé en Roumanie. Vous savez, quand il y a eu le grand déménagement des usines françaises en Roumanie.
Ah oui, moi j'avais une question du coup. Ça là, on peut pas le graisser après en fait. Ah non, c'est à sec ceux-là. Ils sont à sec, sec. Oui, c'est fait pour travailler à sec ça. D'accord. C'est la question que je me posais. Ce qu'on vient de graisser en fait, on a un roulement. Donc là, là-dedans, vous avez un roulement. D'accord. On vient juste graisser ce graisseur-là par un trou qu'on a fait dans la machine. Qui va venir juste graisser en fait le roulement. D'accord. Voilà. Mais ça, tout ça, c'est protégé en fait. Là, quand c'est monté sur la machine, c'est inaccessible, on le voit pas. C'est protégé de partout. Et on met surtout pas de graisse parce que ça ferait l'effet inverse. La graisse, elle accrocherait la merde. Donc là, on a un graisse. Et ça viendrait en réalité détruire la couronne. Alors moi, la pièce d'usure, c'est le pignon. Les couronnes sont extrêmement dures. Et j'ai mis un pignon beaucoup plus souple, entre guillemets, d'une dureté moindre. Et en fait, un pignon, c'est facile à changer parce qu'on lève le moteur, on change le pignon. Et un pignon, franchement, on a dû en changer deux depuis que j'existe. Hein. Et donc là, vous avez le stock de pièces détachées. Là, c'est tout ce qui va nous servir au montage. Enfin, une partie de ce qui va nous servir au montage. Après, c'est approvisionné toutes les semaines. Made in Italy. Ça, je pourrais les avoir en Chine à plus de moitié prix. Ah oui, là, c'est certain que là, vous... on voit que le choix est basé sur la qualité et la satisfaction client. Ouais. C'est clair. Donc, même les tuyaux sont pas chinois, mais c'est pas possible. Alors, ça. Ils sont italiens. Le tuyau lui-même, il est italien. Et au niveau fiabilité, alors Séverin, vous avez des retours? J'en ai changé 0 en 12 ans. 0 en 12 ans. Et quand j'en ai changé, c'est une erreur client. Il l'a cogné, il l'a... mais je n'ai jamais changé un seul à cause du vérin lui-même. Oui. Alors après, on surdimensionne tous nos vérins. Hein, donc, ouais. C'est-à-dire que là, je vais mettre celui-là, là où en fait le celui dessous suffirait, et ainsi de suite. Donc si vous mettez toujours la gamme du dessus... C'est la bonne façon de penser. Automatiquement, vous avez quand même un effort moindre et moins de risque de casse, donc moins de risque de SAV aussi, parce que ça en fait partie. Ah oui, donnez-moi votre pourcentage de retour SAV. On est à 0,1, 0,2. Ouais, c'est clair. Moi, je pense qu'on peut résumer tout en deux questions, c'est ça, quoi. Le retour SAV et qu'est-ce qui vient de Chine. Une fois qu'on a réponse à ces deux questions, Chine, on a fait le tour. Quoi. De choses, on essaye de trouver un maximum de fournisseurs européens, français quand il y en a, et européens après. Et après, si on n'a pas le choix, bah, ça va venir de Chine, parce que c'est comme ça. Là, par exemple, vous voyez ici, voilà, tiens, les réservoirs que vous avez là-bas, ça c'est sûr, ça vient de Chine, ça c'est sûr et certain. Ouais. Ça aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fabrique ça en Europe. Mais on va dire que ce n'est pas une pièce essentielle. Oui, c'est de la pièce, voilà, c'est du plastique injecté. On n'est pas sur une pièce qui a besoin d'être. De ultra haute qualité. Les pignons sont fabriqués par T-Distribution qui est dans le 84. Les ressorts faits par Gerbou, une boîte française. C'est vous. C'est un fabricant de ressorts, la société Gerbou. Il n'y a plus de fabricant en France qui fait de la pompe. Ouais, c'est triste, hein, mais ouais, c'est là une belle performance quand même. Hein, parce que, effectivement. Et malheureusement, c'est de plus en plus compliqué. Alors, on essaye de faire le maximum de pièces nous-mêmes. La 600, elle est vraiment aboutie, quoi. Enfin, moi, je sais que votre site, je suis depuis longtemps. Et c'est vrai que là, on voit que c'est l'aboutissement, vraiment, la 600. Là. C'est la génération 6. C'est la 6e génération. Et là, on est. Alors, le parfait n'existant pas, mais on n'en est pas loin. Ouais, ouais. On sent que le produit, là, il est peaufiné de tous les deux partout, quoi. Vous voyez, là, on vient de modifier deux, trois toutes petites bricoles de rien pour un aspect pratique. C'est amélioré en permanence, quoi. La conception du dessin à la découpe et la vidéo de la concrétisation en direct. Oui, parce que là, vous êtes capable de construire du sur-mesure pour n'importe quel qui veut une pièce sur-mesure, vous la créez. Conception. Là, là, ça c'est le capot. Juste de A jusqu'à Z. Voilà, le capot, jusqu'à la création. Là, je vais passer en mode dessin et hop. Là, on est en mode dessin, voilà. Et là, en fait, on a le dessin comme si on était sur du dessin papier.
de notre machine, voilà, de notre pièce. Impressionnant. Voilà. Et après, on va lui donner, alors là, on est en 2D, voilà. Là, on est en 2D. Et après, on va lui dire, je veux telle épaisseur. Ouais, vous le montez en 3D. Voilà. Ouais, ça fait penser à l'impression 3D, mais en beaucoup plus pointu. Et là, du coup, on a l'épaisseur, voilà. Après, on donne du pliage, on donne ce qu'on veut, voilà. De notre côté, on repart avec ça et on en a profité pour vous négocier un code promo pour tout achat d'une Migale 600 ou Migale 700. Avec le code FRANCE600, vous pourrez bénéficier de 300 euros de remise ou bien un accessoire offert de la même valeur en inscrivant le code promo FRANCE600 dans la section commentaires de votre devis chez Proto Micro TP. Tous les liens sont en description sous cette vidéo.